Bonsoir. C'est incroyable, c'est extraordinaire. C'est un rêve pour moi d'être ici. Merci beaucoup. Je suis trop content. La première fois que je suis venu sur la scène pour repérer l'endroit, j'étais tellement émerveillé que je me suis dit, j'ai même pas besoin de jouer, on va passer 1h30 ensemble à regarder les plafonds, le lustre. J'ai une nouvelle chemise pour l'occasion. Mon agent m'a dit, Lara, elle me dit, j'espère que tu as une chemise. J'ai une chemise. Je ne suis pas sûr si elle est bien ou pas bien encore. Mais... Je voudrais commencer notre moment, cette grande soirée, avec deux petites pièces extraites d'un cycle fabuleux appelé Estudios Tencios, composé par le Cubain Leo Brouwer. J'ai découvert ces partitions quand j'avais 12 ans en banlieue bordelaise, là où j'habitais. Et je crois que c'est grâce à cette musique que j'ai découvert l'amour que j'avais pour la guitare. Quelques années après, à nouveau grâce à ce cycle, j'ai découvert un autre amour, celui de la peinture, qui est dans ma vie depuis. Je crois que ces petites partitions font aimer les choses et réalisent les rêves. C'est donc avec bonheur que je commence notre moment avec deux Estudios Tencios et le souvenir de quand j'avais 12 ans en banlieue bordelaise et que je ne cessais de jouer de la guitare. Thank you.
viens d'enregistrer un nouveau disque consacré à la musique de Jean-Sébastien Bach. Ça a été une expérience bouleversante. Et au cœur de ce disque océanesque, j'ai voulu une parenthèse comme une petite île sur le chemin. J'ai pas pu faire autrement qu'être rattrapé par moi-même. Et j'ai voulu une parenthèse avec un Bach d'aujourd'hui, sensiblement différent, modestement autre. Et alors, à chaque fois que j'ai une idée un peu farfelue, je vais voir mon frère, Jordan, qui est compositeur, et là, je l'appelle plein d'enthousiasme, je lui dis « Voilà, j'ai une idée, je voudrais que tu me recomposes 3 préludes de Bach. » Il me répond instantanément « C'est absolument impossible, on ne recompose pas la musique de Bach. » Et il raccroche. J'essaye de le rappeler, il ne me répond pas. Quelques jours plus tard, j'arrive enfin à le joindre, j'ai un argument de taille, je lui dis « Si on peut recomposer la musique de Bach, Vivaldi l'a fait. » Il me répond « Ça ne me rassure pas du tout. » Il raccroche à nouveau. J'essaye de le rappeler encore et encore, je suis assez têtu. Il finit par bloquer mon numéro. Et 2 mois plus tard, je reçois de lui 3 partitions, 3 préludes de Bach recomposés que je trouve sublimes. On a cherché des titres pendant des jours et des semaines, on n'a jamais trouvé. Si des idées vous viennent, voici 3 préludes de Bach autrement. Thank you.
Ça m'a plu de vous les jouer. Merci à mon frère Jordan qui est là. Je voudrais inviter maintenant quelqu'un que j'aime beaucoup. À chaque fois que j'ai joué avec elle, j'ai été transporté. Merci d'accueillir Lucienne Renaudin-Vary. Lucienne m'a fait le bonheur de jouer deux musiques sur mon disque précédent, Film. Et je me rappellerai toujours quand elle est venue au studio dans le 5e arrondissement, c'était le studio de Jeff Delors qui a réalisé ce disque. Et Jeff est quelqu'un d'aussi talentueux que caractériel. Je le dis aisément parce qu'il est là ce soir. Non, Jeff est bien plus talentueux que caractériel, mais il est très caractériel, c'est dire son talent. Et donc, après une journée d'enregistrement un peu tendue, Lucienne arrive dans le studio pour enregistrer notre moment ensemble. Elle arrive discrètement, elle s'installe, elle enlève ses chaussures, elle commence à jouer, Jeff appuie tout de suite sur l'enregistrement. Et je me rappellerai toujours le visage de Jeff après cette prise. Il avait été bouleversé, comme moi à chaque fois que je joue avec Lucienne. On est très heureux de jouer pour vous Ascenseur pour l'échafaud, musique de Miles Davis. Musique qu'il a enregistrée ici à Paris en une nuit d'une traite dans un studio de Montmartre. Inspiré par la magie de Paris la nuit. Thank you.
vous avez dit, elle est magique, Lucienne. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais je trouve qu'on est hypersensible dans l'avion. J'entends déjà ma pote Margot au deuxième étage qui dit « Oui, oui, l'avion, ça fait peur, oui, oui, l'avion, ça fait peur. » Ce n'est pas du tout cette forme de sensibilité, c'est plutôt une poésie. Je me suis surpris de nombreuses fois à être bouleversé par des films que je voyais comme ça dans les airs. J'étais pourtant sur mon ordinateur avec un petit écran, un son pas très bon. Mais le fait d'être dans les nuages m'a provoqué des émotions très fortes. Il y a quelque temps, j'ai rassemblé quelques-unes de ces grandes musiques de cinéma que j'avais découvertes dans les airs, avec l'idée d'en faire un disque en partant de ces thèmes de films et continuer à les écrire, un peu comme si chacun des personnages continuait à vivre après le mot fin. En général, je regarde toujours un film qui est lié à la destination où je vais. Quand je vais aux États-Unis, je regarde un film américain. Quand je vais en Asie, je regarde un film hongkongais ou coréen. Quand je vais en Amérique du Sud, un film argentin. Au retour, en revanche, je regarde toujours un film français. Je voudrais donc vous jouer deux vols retour. Deux musiques de deux grands films français. Le premier, c'est Les Valseuses, avec Depardieu et Miu Miu. Je ne sais pas si ce serait sorti aujourd'hui, mais peu importe. La musique y est sublime, elle est du grand Stéphane Grappelli, violoniste de légende, qui a joué pendant longtemps avec Django Reinhardt. La seconde musique, elle, est devenue iconique suite au film, surtout pour nous et les guitaristes. C'est « Jeux interdits ». Mais je ne sais pas si vous êtes déjà rentré dans une boutique de guitare, que ce soit ici à Paris à la Guitareria, ou que ce soit à Munich, Zurich ou Chicago, c'est toujours écrit « Jeux interdits, interdits ». Du coup, je me suis dit que ce serait amusant de partir de ces quelques notes iconiques et de les amener bien ailleurs. Et donc, comme à chaque fois quand j'ai des idées farfelues, je vais voir mon frère Jordan. Je lui livre des ingrédients complètement décousus, étonnants, que seul lui peut comprendre. Et quelques semaines plus tard, il me renvoie une partition 5 étoiles. Voici donc Les Valseuses, musique de Stéphane Grappelli, recomposée pour moi par mon ami Kevin Sedicki, puis Jeux interdits 2 de mon frère Jordan.
Je voudrais maintenant inviter quelqu'un de particulier, de précieux. Merci d'accueillir Cécile Lenoir. Merci. Bonsoir. Cécile, c'est elle qui a enregistré mon album Bach, qui m'a... Ah non, pas encore, Cécile, je veux que tu profites et que... Je ne vois pas. Cécile m'a accompagnée à merveille dans cet océan de partitions. On a sillonné ensemble chacune des partitions, allé au plus profond de chaque note centenaire. C'était merveilleux cette expérience ensemble. Ouais, et elle m'a guidé, elle m'a confronté à mes incohérences, elle m'a conforté dans mes fantaisies, ouais. Souvent. Oui, et voilà, merci beaucoup. Je t'en prie, c'était un plaisir. Et je me suis dit que ce serait amusant qu'on enregistre une musique ensemble ce soir. Cécile est venue avec ses micros et elle va installer son vaisseau spatial. C'est une musique inédite que je joue pour la première fois en concert, parce que je l'ai beaucoup travaillé chez moi, je savais qu'il y avait Cécile, qui est à nouveau une composition de mon frère. Et l'idée était d'avoir un souvenir, chacun d'entre nous, de ce moment ici. Ça s'appelle Théâtre du Châtelet. Et Romain Pison de chez Sony le postera sur toutes les plateformes de streaming jeudi dans une semaine. Donc pas demain, jeudi prochain à minuit. Et vous pourrez le garder et vous rappeler ce moment ici. Je profite de l'installation de Cécile pour remercier toute l'équipe de Sony Music qui m'accompagne depuis près de 10 ans maintenant. Ensemble, on a fait beaucoup d'albums, Scarlatti, Vivaldi, Albéni, Cities, Film, j'en oublie. Merci beaucoup à Hervé Defranou, merci à Romain Pison, merci aussi à Olivier Cochet, Aurélien Lovalante, merci à toute cette formidable équipe. J'arrête, ça fait un peu discours des victoires de la musique. Alors que je n'ai jamais été ne serait-ce que nommé aux victoires de la musique. C'est un appel. C'est quand même incroyable de faire cette constatation ici, là où Karim Benzema a reçu son ballon d'or il y a 5 mois. J'insiste un peu parce qu'il y a la directrice des victoires qui est là au 3e rang. Fauteuil 3E carré or. Bon, j'arrête. Cécile, es-tu prête ? Presque. Vous allez rencontrer le travail incroyable de Cécile. J'espère que vous avez prévenu vos nounous, on est là toute la nuit. Je vais essayer d'être efficace. Moi aussi. Je m'accorde bien. Ça s'appelle Théâtre du Châtelet et c'est notre morceau. Ça tourne quand tu veux. Thank you.
Attendez, parce que vous ne connaissez pas Cécile. On va faire 14 prises. Qu'en penses-tu, Cécile ? Déjà, bravo. Bravo aussi à Jordan pour sa pièce et à toi pour son interprétation. Donc, c'était formidable, évidemment, mais il faut que ce soit génial. Donc, voilà, je vais te dire deux, trois petites choses. Pour commencer, il faut que je regarde mes notes, hein, évidemment. Il y a eu parfois des petits trous, je me permets. Fin de mesure 20, la dernière croche, je ne l'ai pas bien entendu. j'ai pris un stylo, j'avais prévu. Mesure 23, les alfados, solfamis. N'hésite pas à prononcer, à chanter les triolets sans problème, t'as le temps. Voilà. Ensuite, il y a eu un petit pépin à mesure 27 au début. C'est pas très grave, je pense que tu l'as très bien entendu. Ensuite, la progression à partir de 37, j'ai trouvé vraiment chouette. Je me demande si tu peux pas aller plus loin en allant un peu plus forté. Et quand tu arrives à mesure 41, tu vois que tu as à nouveau le petit triolet face à la famille. N'accélère pas. Là, je pense que là aussi, tu as le temps de le dire. Et ensuite, quand tu arrives à mi ré do si, là aussi, bon, là, il y a eu un petit peu pépin de texte. Tu as fait un fa à la place du si. Et Jordan, il a dû sauter sur sa chaise. Je pense, en fait, que cette progression qui est jolie, elle pourrait amener un changement de nuance à 43, peut-être. Qu'est-ce que tu en penses? Parce que tu as fa, 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 sa famille, fa, fa, mi ré do si. Et à nouveau, fa, 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 sa famille. Peut-être tu peux dire autre chose à cet endroit-là. Il y a 874 mesures. Hein. Voilà. Non, on arrive presque. Voilà. J'ai presque fini. L'enchaînement à 45, ça pourrait être plus une surprise. C'était peut-être un peu précipité. Alors, pour faire vite. Pense au nounou des gens. C'est voilà, ça y est, j'y suis. Quand on arrive à 64, quand tu arrives sur la blanche pointée, oui. Il y a une vraie rupture ici. Et là, je pense que tu peux rendre la chose un peu magique et changer de caractère avec un peu plus de tendresse. Voilà. Et faire une jolie chose comme ça. Ne te précipite pas à 72, 13, pareil, là. Et prends le temps de prononcer fa, la, do, avant de passer à 74 au mouvement lent. Là, prends le temps vraiment d'accompagner pour que ce soit plus organique. Voilà. Sinon, c'était très beau. Du coup, on en refait une, si vous voulez bien. J'ai tout noté. J'espère que vous aussi. Es-tu prête, Cécile ? Je suis prête. Ça tourne.
vous avez prévenu aussi. Ce disque, on l'a enregistré, Bach, on l'a enregistré dans un coin de France et d'enfance qui m'enchante, qui est dans le sud-ouest, la Dordogne. Peut-être connaissez-vous le Périgord noir, qui est le plus célèbre. Mais moi, quand j'étais petit, il me faisait peur, j'y voyais des sorcières. Non, celui que je préférais, c'était le Périgord vert. Je le trouvais joyeux. Il y avait des champs de tournesol. Et alors, quand j'ai enregistré ce disque, je découvre un nouveau sentiment. Je découvre qui est la sérénité. C'est un début. Et j'ai voulu retourner là-bas aussi pour retrouver cette forme de sagesse de l'enfance. Il y a quelque chose d'assez doux. Quand on est petit garçon, petite fille, on se promène dans un champ et on a l'impression de tout savoir. On ne se pose pas de questions. Après, plus tard, en grandissant, on s'interroge, on apprend, on cherche, on veut tout comprendre. Certains même ont des opinions. Et alors je suis retourné là-bas, là où j'allais en vacances avec ma grand-mère. Et j'ai cherché une petite chapelle que j'ai trouvée grâce à un ami qui connaît tous les moindres recoins de cet endroit. Et il m'a conduit dans un village de 43 habitants, au cœur duquel il y a une petite chapelle sublime qui fait un quart de la Seine. Et je me suis enfermé là, jour et nuit, à jouer la musique de Bach, toute la nuit. C'était inoubliable. Et j'ai une petite invitée qui s'est peut-être perdue dans les couloirs. Mais est-ce que Ézile, t'es là? Haha, vous allez voir. Mais bien sûr qu'elle est là. Je vous racontais ce séjour en Dordogne qui était merveilleux. On était là, on perdait la notion du temps. Alain, notre hôte, préparait des canards à la broche qui tournaient jusqu'à 3 heures du matin quand on arrivait, pensant qu'il était 21h30. Et c'était vraiment délicieux ce temps là-bas, cette région. Je vous invite à y aller, à la découvrir, à l'aimer. Elle est belle. Et le cœur de ce disque, consacré à Bach, est une pièce extraordinaire. Peut-être l'un des plus grands, sans doute l'un des plus grands chefs-d'œuvre de l'histoire de la musique, c'est la Chaconne de Jean-Sébastien Bach. C'est une partition infinie, une musique qui dure plus d'un quart d'heure, dans laquelle on est enivré par la beauté. Les gens qui la jouent deviennent fous depuis des siècles. C'est extraordinaire. Avec moi, Ézilte, qui va me guider dans cet océan de notes, avec cette partition parchemin, comme une carte au trésor qui conduit à la beauté. Voici la Chaconne de Jean-Sébastien Bach. Bon voyage. Thank you.
Thank you.
C'est étourdissant. Ça fait perdre la notion du temps, ça trouble. Je me rassure à chaque fois en me disant qu'il y a toujours un médecin dans la salle. En plus, ce soir, je pense qu'il y en a pas mal. Je me dis qu'on pourrait faire un cabinet ou un petit hôpital. Je pense même qu'il y a des spécialistes hyper spécialisés. J'aime bien les spécialistes hyper spécialisés. C'est comme dans les grands théâtres, il y a des techniciens hyper spécialisés. Technicien en charge de m'apporter le capodastre. Je ne sais pas si vous connaissez le capodastre. Outil précieux. Le capodastre. Thank you.
C'était Olivia Lindon, grande danseuse et précieuse amie. On a pris un bonheur infini à concocter ce petit ballet pour une danseuse et une guitare. Ah, j'ai oublié de faire la photo de la pochette de notre single de ce soir. J'ai écrit une petite conduite avec l'équipe formidable d'ici. Et tout semble fluide, mais en fait, c'est une symphonie derrière moi de techniciens. Et donc, j'ai oublié, il y avait un moment qui, en plus, m'est très précieux. Je ne sais pas si Cécile Chabert est là, la photographe formidable. Il faut... Eh oui. Ah, c'est impressionnant de vous voir. C'est trop bien, merci. Oh là, je suis trop content. Et donc, à toute sortie de disque ou de single, comme le nôtre jeudi prochain, Théâtre du Châtelet, il faut une pochette. Et donc, si vous voulez bien, on fait la pochette. Si vous ne voulez pas être sur la photo, vous pouvez faire un email à Michael. Michael@théâtreduchâtelet. On remplacera, on vous floutera. Et du coup, si vous voulez y être deux fois, vous pouvez aussi écrire à Michael. La photo. Cécile Chabert, merci beaucoup. On va avoir une pochette ouf, je peux vous le garantir. Maintenant, c'est dans les mains de Romain Pison de chez Sony. Jeudi à 00:00. Ah, c'est trop beau, c'est trop bien. Il y a 18 ans, j'avais 20 ans, et je me suis embarqué dans une forme de tournée sans fin qui a duré 15 années. 15 années pendant lesquelles j'ai vécu sans maison, sans appartement, en nomade, guidé par les concerts. J'ai joué dans plus de 120 pays. Je cultivais le fait de ne rien avoir, j'avais juste ma guitare et une valise que je voulais la plus petite possible. Je voyageais qu'avec des allées simples, jamais d'aller-retour. J'allais toujours ailleurs, je revenais jamais nulle part. Le sentiment de liberté était exquis. Et il y a quelque temps, j'ai eu envie de partager ce grand voyage, cette promenade autour de la Terre, ces rencontres, cet émerveillement au quotidien. Et alors, j'ai baptisé un projet Cities avec l'idée de raconter quelques-unes de ces grandes villes du monde qui m'avaient tant touché. Je voudrais vous en jouer deux villes qui sont à l'est. La première est Oulan-Bator, en Mongolie. J'y suis allé trois fois en hiver par moins 30. Là-bas, j'ai rencontré un homme qui me racontait des histoires de son pays, les steppes, paysages infinis, les yourtes, ces maisons de fortune si chaleureuses, les chanteurs capables de chanter deux voix en même temps pour tromper leur solitude. Il m'a aussi raconté l'histoire de Genghis Khan, le grand guerrier qui était parti à la conquête du monde à bord des chevaux de feu, ces chevaux invincibles de Mongolie, capables de traverser des continents tout entiers. La première musique raconte cette chevauchée à travers les steppes et les montagnes jusqu'au bout du monde. La deuxième musique, elle, vient d'Inde, de Calcutta. Calcutta, c'est une ville dynamique, bouillonnante, avec des embouteillages terribles capables de faire pâlir un Hidalgo. Mais le soir, à la nuit tombée, tout se calme, tout s'apaise. Beaucoup de musiciens
joue des ragas, une musique ensorcelante. Souvent, il la joue au sitar, le cousin indien de la guitare, un instrument d'une poésie rare. Voici la chevauchée de Genghis Khan, puis le raga du soir de Calcutta. Thank you.
Il y a quelques mois, j'ai fait un autre voyage, bien moins loin, mais tout aussi intense. Je suis allé sur l'île de Guernesey, à la découverte de la maison de Victor Hugo. Ça a été un voyage très intense, étonnant, qui m'a été offert de vivre par Arte, pour un film complètement déjanté, réalisé par Christian Beucher, qui est là ce soir. L'idée du film était que l'on parte de l'appartement de Victor Hugo, place des Vosges, pour aller jusqu'à sa maison sur l'île de Guernesey, et que tout au long du voyage, je joue des musiques pour raconter ce périple. En arrivant à l'île de Guernesey, j'ai été interpellé par l'endroit qui est complètement intense, mystérieux, très irréel. Il y a un côté l'île noire de Tintin, avec les banquiers de l'Argo Winch. Et en entendant la maison de l'Argo Winch, de Victor Hugo, je suis fils de professeur de lettres classiques. Ma maman est là, elle est venue de Dordogne pour m'entendre parler de Tintin. Et donc j'ai découvert cette maison de Victor Hugo qui est tout à fait étonnante. Je vous invite vraiment à aller voir, c'est mystique. Il y a des liens partout, des textes qui renvoient à des symboles. C'est presque effrayant. Et à la nuit tombée, ça devient carrément effrayant. Et j'ai eu la chance d'être là plusieurs nuits, enregistrer des musiques folles pour ce film fou. Et j'ai profité de ce périple irréel pour réaliser un rêve. Je suis guitariste classique, j'ai une âme de voyageur, mais j'ai le sang d'un rocker. La guitare électrique me fascine depuis petit garçon, mais je n'en avais jamais joué jusqu'à ce moment là-bas, à 3 heures du matin, dans le salon de Victor Hugo. C'était complètement fou, et ça n'était pas n'importe quelle guitare électrique. C'était la guitare électrique d'un guitare héros français, qui est un très cher ami depuis, Yarol Poupeau. Merci d'accueillir Yarol Poupeau. Tu t'en rappelles quand tu m'as fait essayer ta guitare chez Victor Hugo à 3 heures du matin. En fait, t'étais meilleur avec la mienne que j'étais avec moi avec toi à la tienne. Ah, je sais pas. On voudrait vous jouer deux musiques qu'a composé mon père dans les années 70 pour cette guitare inclassable qui me plaît tant, avec qu'on a remanié avec Yarol. La première musique s'appelle « La boucle aux oiseaux d'en face ». Elle est en hommage à l'amour qu'avait Victor Hugo pour les oiseaux de son jardin face à la mer. La seconde musique, elle, est « Vertige ». Elle raconte les fonds marins, aussi intenses qu'effrayants que mystérieux. Thank you.
Je voudrais... J'ai du mal à le dire. Je voudrais terminer notre moment en vous jouant une musique que j'aime beaucoup, que je joue depuis longtemps, mais qui offre une liberté qui me plaît beaucoup dans la musique. Cette musique que j'aime beaucoup raconte une ville que j'aime beaucoup qui est Istanbul, en Turquie. C'est une composition d'un monsieur italien qui vit aujourd'hui en Allemagne mais qui a passé la majorité de son temps en Turquie et qui depuis a une écriture très influencée de culture turque et notamment cette composition qui s'appelle Kuyum Baba, ce qui veut dire en turc le berger. Et cette musique a une petite histoire. C'est l'histoire d'un jeune homme d'Istanbul qui décide de quitter la grande ville pour partir à l'est du pays, dans une région montagneuse où il y a de grands espaces, des plaines, des forêts, et où les Turcs disent qu'il est dangereux de se promener, car des choses étranges s'y passent et des esprits rôdent. Peu importe, le jeune homme quitte la grande ville d'Istanbul, il part à l'est, il entre dans cette partie du pays, il devient un berger, et vous allez voir ce qui lui arrive. Voici donc Kuyum Baba, composé par Carlo Dominiconi, et c'est la fuite d'Istanbul.
Merci. Merci aussi infiniment à toute l'extraordinaire équipe du Théâtre du Châtelet. Vraiment merci, je me rappellerai toute ma vie de cette soirée. Merci d'avoir réalisé mes rêves. Merci à cette équipe vraiment formidable, je le dirai jamais assez, les lumières somptueuses, le son enveloppant. Elena, la chef d'orchestre de ce grand ballet de techniciens merveilleux. Je l'entends qu'on l'applaudit là-bas derrière, mais c'est vraiment vrai. Merci aussi à Jérôme Chaumont qui a fait que cette soirée est possible. Merci à ma précieuse équipe fabuleuse qui m'accompagne depuis longtemps maintenant, Lara. Merci à Johan qui font rayonner ma guitare partout en France et bien plus loin. Merci à Thierry pour les paillettes incroyables. Merci à ceux qui sont dans l'ombre aussi, proches, très précieux. Je voudrais vous jouer une composition de mon père. Quand j'avais 12 ans,
Je voulais toujours jouer des morceaux trop difficiles pour moi. Mes camarades au conservatoire à Bordeaux et mes professeurs me disaient tout le temps « Non, tu ne peux pas jouer ça, tu es trop petit, tu joueras ça quand tu seras plus grand. » Et un jour, j'en ai eu marre qu'on me dise ça. Alors, je suis allé voir mon père, qui est compositeur, et je lui ai dit « Écoute, papa, je voudrais que tu me composes le morceau le plus difficile du monde. » Il a ri, mais quelques mois après, pour mon anniversaire, pour mes 13 ans, il vient vers moi, il me tend une partition et il me dit « Voilà, c'est ça le morceau le plus difficile de la Terre. » Le voici. Ça s'appelle « Rock typique au vin » et c'est le morceau le plus difficile du monde.